Ça pourrait aussi bien être entouré de chiens. Quoi, c'est tout? Bombarde! Levioso! Professeur Hecate! Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des Hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'est du pays de Galles, et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles, Levioso. Levioso ? Un sortilège de lévitation ? Levioso ! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, Monsieur Prouette ? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Levioso. Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Commençons par le lancer de base. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort ? Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez pas qu'un adversaire surpris est un adversaire affaibli. Levioso ! Bien ! Bravo ! C'est très bien, mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duelistes, à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Levioso, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Protego. Stupéfix. Toutes les choses. Je crois que ce soit ton premier duel. Juste que j'apprends vite. Les miennes, stupéfiés, c'est pas si bon. Les violons. Seulement tous les élèves étaient aussi appliqués. Regardez votre adversaire pour savoir s'il faut attaquer ou défendre. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Serre d'Aigle. Merci, professeur Hecate. Heureux d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités. Donc, ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo! Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Très bien. Le spectacle, je n'aimerais pas affronter le professeur Hecate en duel. Je n'aime pas trop les duels. Je préfère les solutions plus pacifiques.
J'avais toujours pensé que les Vioso étaient pour les premières années. J'ai changé d'avis. Beau travail. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement ? J'ai eu l'impression d'affronter un expert. Au fait, je m'appelle Sébastien Palot. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. Si, c'était le premier. J'ai peut-être un don pour ce genre de choses. Tu peux frimer, mais je ne suis pas idiot. La magie exige de la motivation et du talent. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Exclusif et clandestin ? Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci, Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. À la prochaine. Si tu connais les sortilèges adaptés, ce sont les mages noirs qui te craindront. Et pas l'inverse. Ce guide du sorcier est bien pratique.